Closer.fr fait le point sur les rumeurs qui prétaient une liaison entre la reine Elisabeth II et Lord Porcheset alias Porchy. Le 20 novembre dernier, Elisabeth II et son époux le prince Philippe fêtaient leurs 71 ans de mariage. Et comme tous les couples, tout n'a pas été rose entre les deux tourtereaux, aperçus plusieurs fois en train de se disputer en public. On se souvient notamment de leur prise de bec en 1954, l'année où elle est arrivée sur le trône et 7 ans après leur mariage. Je suis désolé pour cette petite parenthèse mais, comme vous le savez, cela arrive dans tous les mariages, aurait déclaré la reine Elisabeth II. Maintenant, que voulez-vous que je fasse ? Ces quelques querelles ont donné naissance à bon nombre de rumeurs parmi lesquelles une supposée idylle entre la reine Elisabeth II et Lord Porcheset, l'un de ses amis d'enfance passionné d'équitation qui va ensuite s'occuper des chevaux de la reine. D'ailleurs, cette relation qui attirait tous les regards à l'époque est abordée dans le 9e épisode de la série The Crown sur Netflix. La couronne a de son côté toujours assuré que le duo n'entretenait qu'une amitié et non pas une idylle amoureuse. D'ailleurs, Lord Porcheset a été marié à une américaine avant de décéder le 11 septembre 2001. I'm sorry.